Salut à tous, aujourd'hui dans Radio Myop, un petit panorama sur les grandes pièces de théâtre de demain, avec aujourd'hui l'économie de l'économie de Blanche-Neige. Une pièce composée par deux comédiennes de tout talent, je vous propose de regarder ça tout à l'heure. Il y aura également un gueule d'amour, c'est une pièce sur la vie de Gainsbourg, avant qu'il se célèbre, avant que Gainsbourg devienne Gainsbourg. Et nous finirons également aujourd'hui avec Machin Fisk, une ville que vous connaissez peut-être et qui pourtant, c'est déjà pas mieux. Mais pour l'instant, vous avec eux, la vie. Fromage ou dessert? Allez monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Lisbonne ou Madrid? Il faut pourtant que je me décide. Bretelle ou ceinture? Choisir n'est pas dans ma nature. J'hésite, je compare, ça me rassure. Est-ce au moins le cas? À toi qui fais monter la peur, toi qui décroches, tu la candeur. À toi qui fais le beau, le fier, t'es super bonne, la vie de ma mère. Toi qui nous guides sur le papier, à écrire ce qui s'est passé. Je n'écrirai pas de chanson sur toi. 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 Chez nous, la courbe du chômage semble amorcer un grand virage. Même à l'Élysée, on embauche. On cherche un socialo de gauche. Championne du monde d'humilité, médaille d'or de simplicité, prix Nobel et tout le reste. C'est pas pour me vanter, mais je suis la plus modeste. Pardon. C'est le moment un peu chaud de la soirée, faites gaffe. Oh, voilà, c'est fait. Just down on my knees, I'm laying with the devil. Curse God above. J'ai donc décidé de me débarrasser du château et de ses occupants. Jamais je n'aurais cru qu'il brûlerait si bien. Dois-je comprendre que vous avez l'intention de me supprimer moi aussi? Je commence à croire que vous en êtes digne. Voilà. Ouais, alors le souci c'est que je l'aime pas. Moi non plus. Une pub pour l'angoisse. Tout le monde courait. En bleu, en rose, en vert, à la ville, à la campagne, les jeunes, les vieux, courez, courez, plus vite, plus vite. C'était une pub pour des baskets. Tu m'as dit que c'était pour l'angoisse. Dans ces soirées, les gens racontent qu'ils préparent un gros projet, je prépare un gros projet, mais qu'ils préfèrent ne pas encore en parler. Je préfère pas en parler encore. Enfin, du coup, ils n'ont pas de travail et sont en dépression. Donc, on peut commencer. Dans ces soirées... Moi, ça fait 20 ans que je suis barman. Alors les clients, je les comprends au premier coup d'œil. Et ces trois types s'entendaient entre eux. Ils se faisaient des signes avec les pieds, je l'ai vu de mes propres yeux. Survoler l'inconnu, eh bien c'est déjà, c'est quand même prendre un peu de hauteur. Une école dévastée, c'est un drame, mais se souviendront pas mal de familles à Bethlehem. Je profite de découvrir, mais comme elle ne connaissait pas, l'enfer. Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2004. Carnage. Fin sanglante de la prise d'otage par un commando pro-tchétchène d'une école en Ossétie du Nord. Au moins 200 morts et 700 blessés, selon des bilans officiels russes, vendredi soir. Mais comme elle ne pourrissait pas, Blanche-Neige. Angelica Lidl. Vous avez un magnifique spectacle cette année à l'affiche, donc ça s'appelle « Mais comme elle ne pourrissait pas, Blanche-Neige ». Alors j'imagine que toutes les filles rêvent d'être Blanche-Neige jusqu'à un jour où on est à Beslan et qu'un certain 31 août, il se passe une prise d'otage qui est fatale pour 171 enfants. C'est quoi? C'est une pièce. Une toute petite pièce, oui. Et qu'est-ce que vous avez décidé justement à l'adapter? Déjà les événements qui se sont passés ces dernières années, on pense que c'est important de continuer à utiliser l'art et notamment le théâtre pour faire face à tout ça et de continuer à en parler. Oui. Et cette prise d'otage finalement, vu que
On parle beaucoup des choses qui se passent en France, etc. Et finalement, dans une école en Russie, en 2004, on en a quand même entendu parler. Mais voilà, on voulait rappeler cet événement parce que finalement, quand on demande aux gens qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là, c'est très rare que les gens se rappellent de cette prise d'otage, malheureusement. Et Madeleine et moi, on s'est rencontrés du coup en septembre à l'école et on travaillait déjà sur cette œuvre avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'on était les plus motivés, indéniablement. Et on s'est dit qu'on allait monter une association et continuer à faire vivre le projet à deux, donc reprendre de zéro. On a toujours pris à zéro au niveau de la mise en scène. On a vraiment fait à notre sauce et on s'est dit qu'on ne voulait pas ne pas aller plus loin. Parce qu'on avait vraiment eu un coup de cœur sur l'œuvre et on voulait reconnaître. La défendre, qu'elle soit vue. Et la rendre accessible aussi à un maximum de public. Voilà. Oui. Et justement, donc au départ, c'était une pièce de travail pour Florent, c'est ça? Oui. C'est ça. C'est devenu une belle chose. Hein. Là, vous avez vraiment mis le paquet. Comment vous avez justement découvert cette pièce de théâtre, en fait? C'est un choix imposé du cours Florent ou c'est vous qui avez été votre propre choix? Alors, un peu les deux. En fait, c'est un prof qui s'appelle Olivier Tchangchon qui aime beaucoup ce genre de théâtre. Oui, et on contemporain assez engagé. Engagé, dérangeant, j'ai envie de dire. Oui. C'est pas vraiment le mot. Et du coup, on nous a fait découvrir plusieurs pièces qu'on a toutes lues. Et chacun devait choisir un ou deux groupes dans lesquels il voulait travailler. Et on s'est retrouvés ensemble. Dans les deux mêmes groupes. Dans les deux mêmes groupes, oui. On avait dans les mêmes groupes. Et voilà, et après, du coup, au fil des lectures, du travail dessus qu'on a pu effectuer en amont, du coup, parce que ça a quand même nourri notre approche sur l'œuvre, dans tous les cas, même si on est reparti de zéro, on s'est nourri de tout ça et de tout ce qu'on a. On avait travaillé différemment. Le fait d'en parler tous ensemble, etc., ça nourrit toujours. Oui. Donc on avait fait un travail à 6 là-dessus et je que ça n'avait vraiment rien à voir. On pouvait mélanger plusieurs auteurs et tout. Donc c'était plus une création à partir de l'œuvre. Et nous, on s'est dit qu'on voulait vraiment la reprendre avec le texte intégral et seulement ça. D'accord. Quelle cruauté vous avez mis justement dans cette pièce? Pourquoi vous avez choisi de forcer justement les traits sur le fait que vous culpabilisez à l'ennemi du public à certains moments, que c'est très dérangeant parfois? Oui. Angelica Lidl, pour elle, ce serait soft, on pense. Mais soft pour elle, je pense. Mais nous, on tenait quand même à mettre cette petite patte de cet auteur et on pense que le fait de faire réagir au public, alors le fait de le déranger à certains moments et le fait de le mettre en empathie, ça permet aussi de peut-être plus sortir bouleversé et de se rappeler de ce moment-là et de... Alors même si, et puis comme ça dure trois quarts d'heure, je pense que c'est possible. C'est pas insupportable et c'est l'endroit, enfin la réaction des gens, c'est l'endroit qu'on voulait atteindre. Être un peu bouleversé, pas non plus dérangé au point de vouloir partir, pas non plus trop en retrait. On s'est dit que oui, qu'Angelica Lidl aurait fait quelque chose de très très dur comparé à nous et qu'il fallait quand même pas qu'on nous dise que c'est un texte très fort et horrible. Et qu'on ne pouvait pas faire quelque chose de trop enfantin, trop soft. Et si c'est trop spectacle et que le public est à l'extérieur, peut-être qu'on ne se rend pas compte que c'est la réalité. Et voilà, il faut quand même se rappeler que c'est basé quand même sur des vrais événements. Et... On voulait l'impliquer pour qu'il sait quoi en lui. Donc juste après cette pièce, c'est tout. Est-ce que vous avez déjà des dates prévues? On va faire le festival d'Aurillac, l'international de rue, oui, donc, du coup à l'extérieur, donc ça va être une première de jouer dehors. Oui, toujours avec cette pièce, Oui. Ah, oui. On a 4 dates, c'est sur ces 4 jours. Voilà. Et vraiment c'est dans la rue. Donc voilà, il faudra faire attention à ce que les enfants ne s'approchent pas trop. Ce sera le soir, ce sera un créneau assez tard. En tout cas, vous êtes vraiment des deux comédiens à suivre, parce que c'est peut-être un grand petit théâtre, c'est du grand théâtre que vous avez joué dans ce que j'aime voir. Voilà, à suivre en tout cas. Merci. Yeah.
Nel Vollard a bien été inspiré à ce grand gueule d'amour. Serge Gainsbourg, avant d'être une idole, était surtout un homme, un séducteur et un grand homme timide. Il y avait aussi chez Serge toute une partie de lui que personne ne connaissait, ou très peu de monde. Et c'est ainsi que Serge nous est décrit par les traits de sa sœur Liliane pour cette pièce que nous écoutons tout de suite. Le piano nous a bercé chaque jour de notre vie. Papa jouait Bach, Chopin, Vivaldi, Cole Porter. Et il jouait sans cesse. Même lorsqu'il était à la maison, il répétait des nouveaux morceaux pour les jouer le soir au casino ou dans des endroits comme chez Maxime's ou aux Enfants de la Chance à Paris. Maman l'accompagnait de sa belle voix. Et nous les écoutions. Admiratifs. Spi matin jetzt moi plus classé Bayouchki Bayou Tire schmat lihim jetzt jetzt asni Fkouli biatayou. Myriam, bravo, parce que merci. Belle évocation déjà de la ville de Gainsbourg. Et en plus de ça, on apprend des choses qu'on avait parfois déjà un petit peu oubliées. Oui, certainement, ça vient du fait que j'ai choisi de traiter une partie de sa vie qui est moins connue que la vie du Gainsbourg sur les dernières années de sa vie que tout le monde connaît. J'ai choisi donc de traiter l'artiste, le personnage timide et sensible qu'il était. Et en commençant par la rencontre de ses parents, sa naissance, son enfance, plus ou moins difficile par rapport à ses complexes, et ensuite le début de sa carrière en tant que peintre, puis pianiste, puis le succès avec l'Eurovision, France Gall, et ensuite l'ascension de sa carrière. Alors, est-ce que un Gainsbourg aujourd'hui pourrait encore réussir à trouver un accueil auprès du public ? Oui, parce qu'il avait vraiment une personnalité qu'on retrouve chez aucun autre artiste encore vivant actuellement. Donc oui, je pense. Et en plus, et d'ailleurs, je le dis bien dans le spectacle, il est éternel. Il est éternel. Et même s'il est mort depuis plus de 25 ans. Il est toujours là, il est toujours là, et toutes les générations peuvent y trouver leur compte. D'autant plus que Gainsbourg a toujours, au cours de sa carrière, fait évoluer sa musique, fait évoluer sa perception artistique, et a toujours été un petit peu en avance. Il a amené le reggae, il a amené plein de choses, et on peut supposer que s'il était toujours vivant aujourd'hui, il se nourrirait des tendances actuelles pour les reprendre à son compte et en faire des merveilles qui, je suis sûr, raviraient le public, même le public le plus jeune qui aujourd'hui ne le connaît pas trop. Alors justement, donc revenons à cette idée. Qu'est-ce qui t'a décidé à vouloir faire ce spectacle en fait ? Tu as voulu reprendre en fait l'œuvre de Gainsbourg, ou comment ça s'est passé justement ? Non, en fait c'est mon admiration pour le personnage. Et quand je posais la question autour de moi à des personnes qui ont 20-30 ans, je disais, mais Gainsbourg, tu connais ? Et on me disait, ah oui, c'est celui qui brûle des billets à la télé, c'est celui qui arrive toujours bourré sur les plateaux de télé. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage que cette génération-là ait cette image, parce que Gainsbourg, c'est beaucoup plus que ça, forcément. Et ils ne connaissent pas... la première partie de sa vie, en fait, il ne le connaissait pas. Et j'avais envie de mettre en valeur, justement, ce côté, vraiment l'artiste. Et en tant que fan, déjà, moi, de Gainsbourg, je me suis dit, ce lien de parenté, il a une sœur jumelle, c'est quand même pas rien. Je me suis dit, il faut l'exploiter, il faut écrire quelque chose là-dessus. C'est ce qui m'a donné l'idée. Alors donc cette idée d'incarner Liliane, donc sa sœur jumelle, qui est née en même temps que lui, donc en 1928, ça t'a paru évident à partir de quel moment en fait ?
En travaillant sur la vie de Gainsbourg, en se documentant, qu'elle est rentrée dans cette histoire de la sœur jumelle. Et je me suis dit, c'est cette sœur qui était quand même proche de lui, peut incarner les personnages, peut-être en être un petit peu jalouse, pourquoi pas, ou admirative de ces femmes qui subjuguaient son frère. Je me suis dit, c'est vraiment un filon qu'il faut exploiter, quoi. Il faut que cette sœur incarne quelque part ces femmes qui faisaient l'admiration de son frère. Alors justement, c'est toute une histoire. Les femmes avec Gainsbourg, en fait, c'est quasiment un potentiel infini. Oui, il a fallu faire des choix. Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup plus que celles dont je parle dans le spectacle. Donc, c'est des choix personnels par rapport à celles dont j'avais envie de parler. Et puis, les plus importantes, par exemple, Jen était incontournable. Sa mère, bien entendu, qui était... c'était le chouchou de sa mère, hein. C'était vraiment le petit protégé. Donc, y en avait qui étaient incontournables. Juliette Gréco pour cette fameuse chanson, La Javanaise, qui est superbe. Et puis Michel Arnaud, qui l'a découvert, parce qu'il était seulement pianiste d'ambiance. Elle l'a fait chanter et elle a découvert cet artiste par le Poinçonneur des Lilas. C'est elle qui l'a fait monter sur scène, donc c'est elle qui l'a lancé quelque part dans le cabaret de Milord Larsouille. Et puis sa fille, bien évidemment, que je ne pouvais pas passer à côté de chez elle. Et alors, donc justement, est-ce que tu as eu des liens avec peut-être des membres de sa famille qui seraient éventuellement venus voir le spectacle? Peut-être lui, peut-être Charlotte, peut-être... Alors non, on a contacté l'agent de Charlotte pour la mettre au courant que ce spectacle existait. Mm-hmm. Je pense que si elle le voyait, elle serait très touchée. Je crois aussi, oui. Donc effectivement, ma plus grosse récompense, ce serait que Charlotte ou Jen voient le spectacle. Après, ce sont des personnes qui sont très occupées. Jen est en tournée actuellement. Mais bon, peut-être plus tard, effectivement, on caresse l'espoir qu'elle puisse voir le spectacle. Ouais. En tout cas, si elle voit cette vidéo sur YouTube, voilà, transférez-la, multipliez les partages et tout. Et je pense que ça va arriver à leurs oreilles. En tout cas, moi, j'ai assisté à une des premières représentations. C'était vraiment énorme. Parce qu'il y a toute l'intimité en fait du lieu, du théâtre, oui, ici, à Avignon, et en même temps toute la sincérité et l'atmosphère en fait de Gainsbourg. Il y a une espèce de lien comme ça qui se tisse entre les époques, les événements. Et je crois que le summum à la fin, c'est quand tu fais le duo justement avec Gainsbourg lui-même, oui, et que tu interprètes les chansons donc de fin. La chanson de Prévert. Voilà, oui. La chanson de Prévert. Et là, c'est vraiment quasiment un climax, en fait, où tout se retrouve, en fait. On se retrouve tous en même temps à vouloir chanter, à vouloir être porté par tout ça, en fait. Oui. Je pensais qu'il était très, très important, hein, qu'à la fin de la pièce, effectivement, puisque je parle d'éternité et d'immortalité, que les deux frères et sœurs, que Liliane et Serge, se retrouvent ensemble pour chanter. J'y tenais beaucoup. Off, qui est le plan de la vie de Machinteux, il y a tout un monde que nous fait découvrir maintenant Alberto Garcia Sanchez. Cette nuit-là, pendant que le Machinteux croit dormait, il y a eu en secret au théâtre la première assemblée des choses. La porte du théâtre est là, c'est qui va? Trois cendriers.
Il a pas nié. Allez, entrez. L'ambiance est tendue. On entre. Il y a plein de monde. Il y avait un représentant de chaque maison. Au premier rang, il y avait aussi les I et les N qui sont tombés. Allez, on va s'organiser. Les choses grandes derrière et le petit devant. Oui, oui, les placards au fond. Il faut tout dire ici. Machin truc, on pourrait penser que c'est une pièce de plus dans un festival d'Avignon ultra bondé de pièces de tout genre. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris en fait par Machin truc. C'est tout un univers en fait. Oui. Comment tu étais décidé en fait à vouloir un jour écrire, c'était une nouvelle de 4 pages, c'est ça? En fait, ce qui est drôle, c'est que parfois on essaie de trouver une idée pour exprimer des choses qu'on pense. On est là en train de dire une histoire, comment je pourrais dire tout ça. Et ça, ça a été écrit par hasard. Ah oui? Il y a une compagnie de théâtre en Allemagne qui voulait faire un spectacle sur des objets de la vie quotidienne. Et on m'a demandé de faire la mise en scène. J'ai dit, bon, vous avez une histoire? Non, on n'a pas une histoire. Alors, ils voulaient un peu improviser. J'ai horreur de ça, improviser dans le vide. Et ça, on débarque très vite dans le théâtre contemporain où on fait des effets, des actions que le public à la fin dit oui, c'était bien, mais j'ai rien compris. J'ai dit non, c'est bien avoir une histoire, j'aime beaucoup les histoires. J'ai cherché dans le conte traditionnel et finalement, je n'ai pas trouvé un conte. Je me suis dit, tiens, je vais faire un conte moi-même. Et il y a des contes idéologiques qui s'appellent, qui expliquent pourquoi existe la lune, pourquoi il y a l'homme et la femme, pourquoi. Voilà. Et alors j'ai dit, pourquoi les objets ils ne bougent plus? C'est-à-dire, j'ai commencé par la fin de l'histoire. Ils ne bougent plus parce qu'ils ont été maltraités. Mais pourquoi ils ont été maltraités? Parce qu'avant, ils étaient bien traités, on les a créés. Ah, si on les a créés, avant de les créer, il n'y avait pas d'objet. Voilà, ça c'est machin truc, une ville sans objet. Et quand j'ai lu les 4 pages, j'ai dit, tiens, je viens de créer une histoire qui me permet d'exprimer plein de choses. Qui m'inquiète sur la société, sur le monde, voilà, le problème que nous on connaît tous, et que si on parle d'une manière directe, alors on fait une conférence. Si on parle de la consommation, vraiment je ne voulais pas parler tellement de la consommation des objets comme de la consommation de l'être humain, où on est traité comme des objets, on est des citoyens IKEA, je me sers de toi, maintenant tu es vieux, je t'en veux te dire, je prends un autre. Et on change comme on change les assiettes, on change les gens. Et j'avais envie de parler de ça, mais si on parle directement, vraiment, on dit non, s'il vous plaît, faire une pièce sur la lutte des classes, ça fait dormir tout le monde. Il faut l'aborder d'une autre manière, beaucoup plus inventive. Et voilà, les structures de machin truc me donnaient de ces petits contes que j'avais écrits. Mais là, il y avait la place pour tout dire. J'ai dit bien pour tout dire parce que la première version que j'ai faite, ça durait 3 heures. Et c'est Pepito Mateo qui m'a dit, Alberto, tu as envie de tout dire, il faut laisser que le spectateur fasse son propre discours aussi, qu'on sorte de là et on puisse prolonger la pièce. Et alors j'ai commencé à faire la chirurgie, couper ici, dire c'est vrai, il ne faut pas dire ça, il faut laisser la place au spectateur. Mais j'avais beaucoup de choses à dire, c'était un grand plaisir l'écrire. Et alors justement, cette collaboration avec Pepito Mateo, ça s'est passé comment? Tu connaissais déjà avant? Non, je connaissais le nom, oui. Alors, il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit à Pepito Mateo, il est vieux comme toi, il travaille beaucoup avec l'espace, avec le mouvement. À Pepito Mateo, on lui avait dit la même chose de moi. Il dit, ah, tu dois rencontrer Alberto. La question, c'est que quand j'écris machin truc, j'ai dit, d'accord, il faut que quelqu'un m'aide. Et j'avais une difficulté à trouver un metteur en scène à qui faire confiance. Un metteur en scène, c'est délicat. Aujourd'hui, les metteurs en scène, ils sont pris beaucoup de force. Les derniers 30 ans, la figure de metteur en scène a pris un pouvoir énorme. C'est-à-dire quand on dit telle pièce, c'est qui le metteur en scène? Ah, c'est lui. Et moi, je n'avais pas envie de ça. J'avais envie d'un metteur en scène tel que le conçoit Peter Brook. Peter Brook, il avait dit, un metteur en scène, c'est un aveugle qui guide un groupe d'aveugles. Et je voulais un aveugle. Quelqu'un qui est là avec moi, il me dit, on va chercher ensemble. J'ai cherché, je ne vais pas dire de nom, mais il y a des personnes qui ont dit, ah tiens, celui-là, l'autre. Mais il y a 3 personnes qui m'ont dit la même chose sur Pepito Mateo. Il est très généreux. Et avec ça, j'ai dit, 3 fois qu'on me dit qu'il est généreux, je vais le téléphoner, je lui téléphone, effectivement, j'ai envoyé le texte, je suis allé à Paris pour le voir dans ce petit appartement,
Et quand il a sorti mon texte, il y avait des petites notes tout autour, j'avais les larmes aux yeux, c'est comme si tu donnes ton bébé à quelqu'un, et après, il te le redonne avec, tu vois, j'ai fait ça, et cette idée que tu as ici, on pourrait la relier avec cette idée ici, moi je couperais ça, mais c'est à toi de voir, mais vraiment, c'était un collaborateur, et ça m'a beaucoup aidé, curieusement. C'est vrai que tous les deux, on travaillait beaucoup avec l'espace et la gestuelle, mais sa logique de la gestuelle est très différente à la mienne. Et là, j'ai dit, ah tiens, comme quoi les gens pensent qu'on travaille de la même manière la gestuelle, mais on a des univers différents à ce niveau-là. Mais c'était complémentaire et c'était vraiment quelqu'un de très généreux qui m'a aidé beaucoup, beaucoup à raconter cette histoire. Et les objets, justement ? Oui. Est-ce que tu es addict à certains objets, justement, peut-être à ton téléphone Non, pas forcément. Si j'imagine une chambre qui est la mienne, comme c'est une table, une chaise, et il y a des objets qui sont précieux pour moi, ce sont les livres. Oui. Voir des livres, ça me semble, depuis tout petit, je suis né dans une dictature. Un livre avait toute une charge des résistances, il y a des mots qui sont là, et qu'il y a des gens qui veulent les interdire. Et pour moi, c'était ça, un livre. Alors, le lire, c'était précieux. Mais sinon, non. Vraiment, je n'ai pas trop pensé aux objets quand j'ai écrit ça. J'ai pensé aux gens, surtout. Après, je me rends compte que les objets sont importants dans la vie. C'est les adolescents, par exemple, c'est les objets. Avoir son téléphone, avoir certains objets. Et j'ai découvert par la suite que les objets dans la culture des différentes tribus, par exemple les Incas en Amérique latine, pensaient que les objets avaient une âme. Tu t'imagines si on pensait que cette verre avait une âme, comment on le traiterait? Et ça, j'ai dit, ah tiens, c'est curieux. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à toutes ces choses-là, mais peut-être c'est bon de penser un objet, il a une âme. Il y a une réflexion avec les objets que je me suis faite intéressante aussi. J'ai découvert qu'il y a une tribu. Les Mayas, mais c'est pas les Mayas, j'ai écrit un livre qui c'est sur l'origine du monde. Et dans ce livre, c'est drôle parce que les dieux ont créé l'homme, mais au début les hommes ils étaient très mous, ils l'ont détruit, ils sont faits de nouveau, ils sont la deuxième tentative. C'est pas les dieux qui les ont détruits, ce sont les casseroles qui étaient fatiguées d'être trop brûlées, et les casseroles ont détruit les hommes. Ça vient un peu rejoindre le machin truc. Les objets qui sont fâchés, qui disent que ça va pas. Mais non, j'ai pas trop. Les objets sont précieux pour moi et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui collectionne. Mais il y a des objets que je garde. Qui sont. Je trouve qu'une table, c'est le savoir-faire c'est pas n'importe quoi. Hein. Bah, en tout cas, moi je te dis merci, mais pas comme dans ton spectacle. Hein. Oui. Il faut dire que dans la vie de Machin Truc, le mot merci n'existe pas. Et c'est pas par hasard, c'est parce que je l'ai fait au début. Après, j'ai découvert que je pouvais me servir de ce mot merci comme une insulte. Mais au début, je l'ai fait parce qu'il y a des cultures, il y a des tribus où le mot merci n'existe pas. Ma mère me disait toujours, si tu dois dire merci aux gens, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut essayer de ne pas dire beaucoup de fois merci. Mais pour elle, ce n'était pas le merci de remercier les choses. C'était le merci où tu es, tu vois, tu dois des choses. Il y a un rapport de hiérarchie, de soumission. Tu dois dire merci. Et voilà, j'ai dit, oui, une culture, on ne doit pas dire merci. Quelque part, le merci, c'est une monnaie d'échange. Tu me fais quelque chose. Et là, si tu me fais un faveur, tu t'imagines, je pars avec « Ah, il m'a fait quelque chose !» Mais si j'étais dit merci, j'ai réglé mon compte. J'ai dit « Merci, j'ai payé avec merci. » Voilà, c'est dit. Et je peux partir tranquillement. Ah, c'est beau partir avec un truc de dire « Ah tiens, il m'a fait quelque chose pour moi. Peut-être un jour, je pourrais le rendre la monnaie. Et sinon, ça reste comme ça. » Mais bon, c'est le mot « merci ». Un grand merci à toi, un grand merci de me donner l'occasion de parler avec toi. C'est un plaisir partagé en tout cas. Alors plutôt que de dire merci, moi je dirais à bientôt. À bientôt. Oui. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Déjà, demain. Alors.